Nouvelle évacuation d'un campement de réfugiés dans le nord de la France. Ce mardi matin, les autorités ont indiqué que les 1800 migrants installés à Grande-Synthe, principalement des Kurdes irakiens, seraient pris en charge et conduits vers des structures d'hébergement. Il y a moins d'un mois, entre 400 et 500 personnes avaient déjà été évacuées de ce campement, tout comme 539 autres réfugiés début septembre. Le maire de la ville de Grande-Synthe envisage de rouvrir le camp de la Linière détruit par un incendie afin de pouvoir accueillir plus de réfugiés.